Messieurs, bonjour. Merci d'avoir accepté de nous rejoindre sur notre plateau Transition 2020. Avec vous, on va aborder un sujet qui pourrait sembler sensible. C'est de savoir s'il y a une concurrence entre les différents usages du bois. Bois énergie, bois construction, papeterie et autres. Avec moi, donc, pour en parler, Monsieur Bruno de Monclin. Vous êtes président du comité Interpro Bois Énergie, le CIB. Jean-Marie Poussou, adhérent du JPN et aussi président du syndicat de la maison à Eussat-Urbois, le CIMOB. Et Monsieur Sébastien Gautreau, vous êtes responsable commercial Pelet chez Pifto. Alors, Monsieur de Monclin, est-ce qu'il y a une concurrence entre les différents usages du bois? Alors, avec mon voisin de gauche direct, sûrement pas. Avec mon voisin un petit peu plus lointain, peut-être. C'est-à-dire que le bois énergie n'est pas un concurrent du bois d'œuvre. Il faut bien comprendre que quand on coupe un arbre pour l'agrume. Pour l'agrume, c'est-à-dire pour faire du bois d'œuvre. Et ce sont les usages connexes du bois qui servent pour le bois énergie. Donc il n'y a pas de concurrence. Il est impossible aujourd'hui de faire un commerce de bois si on ne privilégie pas le bois d'œuvre. Le bois énergie est un sous-produit, un coproduit du bois d'œuvre. Alors, s'il y a concurrence, est-ce qu'il y a concurrence avec la papeterie ou alors les panneaux? Alors, effectivement, le bois énergie est quelque chose de nouveau, hein, puisque, en gros, ça fait 5 ou 6 ans depuis la mise en place du fonds chaleur pour encourager l'utilisation d'énergie par le bois. Ça fait 5 ou 6 ans que le bois énergie a commencé à trouver ses marques. Mais avant, existaient les papeteries, bien entendu, et les panetiers qui, eux aussi, avaient leur approvisionnement de bois dans la forêt française. Alors, il y a des concurrences, c'est exact, pas partout. Parfois, il y a des complémentarités. Le marché de la papeterie est un marché très complexe qui dépend du prix de l'électricité, qui dépend d'un certain nombre de facteurs exogènes. Alors que le bois énergie, lui, est purement local et ne dépend pas beaucoup de phénomènes extérieurs ni du marché mondial. Quand on parle de bois énergie, on parle de quoi? On parle de granulés, on parle de plaquettes, on parle de bûches? Alors, en principe, on couvre l'ensemble des utilisations du bois pour faire de l'énergie. Et quand on dit faire de l'énergie, ça peut être aussi bien de la chaleur que de l'électricité, d'ailleurs. Donc, quand on parle de bois énergie, on parle de résidus, de connexes de scierie, de taillis à courte rotation, d'élagage, d'éclaircie, enfin de bois qui, de toute façon, ne pourrait pas être valorisé autrement que soit donc dans l'énergie, soit dans des procédés concurrentiels type panneaux ou papeterie. Monsieur Poussou, par rapport à cette question donc, de la concurrence, est-ce que vous sentez des tensions par rapport à la demande en bois? Disons que cette tension, on la rencontre quand il y a des tempêtes, qu'il y a des bois de Chablis, où effectivement il y a une masse de bois qui est là, qui est en attente, et plusieurs, dans la construction, on utilise ce bois-là, mais aussi ça tente, je dirais, donc les bois de chauffage pour pour les grandes chaufferies et autres. Donc ils ont un besoin et c'est un bois qui est disponible, qui est là et toujours c'est tentant de pouvoir s'en servir, alors que nous on l'utilise au fur et à mesure de nos besoins. Et effectivement donc ce bois construction on l'utilise dans les maisons au Eussat-Urbois, donc entre autres toutes les Eussat-Urbois, aussi bien dans les charpentes bois traditionnelles, des charpentes industrielles lamellées collées. Et donc, effectivement, l'attention ne se voit que par période, au moment de ces à-coups de grumes qui arrivent sur le marché, où il y a une part intense de quantité de bois. Donc, il n'y a pas une réelle concurrence, finalement, entre le bois énergie et le secteur de la construction? Pour le moment, non. Pour le moment, non. Alors, vous dites pour le moment. Pourquoi vous dites pour le moment? Eh bien, disons que si cette filière d'énergie, bioénergie, prendre de l'essor et a besoin, n'arrive pas à trouver du bois dans les créneaux qu'il vient de citer M. Madroite, donc au niveau des taillis, des haies et autres,
c'est vrai qu'on aura un problème au niveau de notre propre bois qui sera attaqué. Mais je pense que la forêt française est là, les feuillus sont là, où il y a beaucoup de petits propriétaires qui sont regroupés en syndicat, je dirais, en regroupement. Et c'est là qu'il faudrait faire un travail pour pouvoir valoriser ces bois-là, tous ces petits propriétaires qui ne savent pas trop utiliser leur bois ou qui délaissent un peu leur bois. Et là, il y a une part de bois qui sont vieux, qui sont pas exploitables pour la construction, mais qui, à mon avis, pourraient servir pour la bioénergie ou d'autres produits, ou les pellettes ou les bois de chauffage. Alors, monsieur de Monclin, je reviens vers vous. Pour le bois énergie, aujourd'hui, est-ce que la ressource, est-ce que vous en avez assez pour le moment? Est-ce que ça se développe? Si ça se développe, à quel rythme? Et est-ce qu'il y a un risque de pénurie, finalement, de votre côté ou pas? Alors, il y a réellement un risque de pénurie, hein, mais c'est lié au fait, c'est lié à un double phénomène. La demande est là, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'industriels qui montent des chaufferies bois. Il y a de plus en plus de collectivités qui montent des réseaux de chaleur au bois. Donc, il y a une demande qui est forte. Et face à cette demande forte, comme je vous le disais tout à l'heure, on est en phase de on a besoin de sous-produits. Et on a des sous-produits que s'il y a la vente de produits, si le marché du bois est stagnant ou en récession, automatiquement, le marché du bois énergie, lui aussi, est stagnant ou en récession, puisqu'on a moins de matière. Donc il y a effectivement aujourd'hui un début de pas d'engorgement, mais au contraire de raréfaction de la ressource, qui est liée au fait que le bois ne sort pas de forêt et qui est liée au fait qu'il y a une demande qui est de plus en plus importante. Mais je voulais rajouter quelque chose qui est important dans l'histoire de la concurrence. Il faut savoir qu'un bois énergie est acheté à peu près le dixième d'un bois d'œuvre. Donc vous voyez qu'on n'est pas dans un système de concurrence, puisque la valeur du bois énergie est 10 fois inférieure pour le même mètre cube ou pour la même tonne, et 10 fois inférieure au prix de la tonne de bois d'œuvre. Donc on n'est pas dans la concurrence. Et de toute façon, le bois énergie ne peut pas avoir un prix trop élevé. Pourquoi ? Parce qu'il est lui-même en concurrence avec le gaz, avec le fuel, avec l'électricité. Donc il y a un phénomène de couverture, de concurrence, cette fois-ci non plus sur la ressource, mais sur la vente. Il y a un phénomène de concurrence sur la vente qui fait que le bois énergie ne peut pas être acheté à n'importe quel prix. Ça, c'est même si on en manque beaucoup. Monsieur Poussou, vous vouliez réagir. Après, je vous donne la parole, monsieur Gautron. Oui, je voulais seulement dire qu'effectivement, cette filière-là a été aidée, admettons, pour les chaudières, les chaufferies. On se rend compte qu'ils ont des aides et qui, par moment, s'il leur manque du bois, ils sont aptes à acheter le bois plus cher, parce que grâce aux aides, ils mettent l'aide, je dirais, dans le prix du bois. Et nous, derrière, ça nous pénalise et on ne peut pas s'aligner sur ce prix-là. Et nous, dans la région Aquitaine, donc, ou le Pays des Landes, on a effectivement pas mal de groupes qui sont mis à avoir ces chaudières-là. Et il y a un manque de bois par période. Et ils peuvent l'acheter plus cher parce que grâce à leur aide, ça équilibre leur budget et dans l'amortissement, ils s'y retrouvent. Et ça nous fait notre propre concurrence. Donc ça fait monter le prix. Voilà, donc ça fausse, là pour le coup, ça fausse. Voilà, ça fausse le prix, le repère marché, le prix marché, dans ces cas-là. Monsieur Gautreau, vous, votre point de vue sur la question. Alors vous êtes sur le pellet, hein. Alors je suis sur le pellet, mais plus précisément, donc avant tout, on est donc une scierie, hein, et la scierie Pivetot existe depuis plus de 65 ans. Nous, on a une vision, aujourd'hui, c'est une complémentarité, puisque de toute façon, notre métier de base, c'est d'utiliser les grumes et donc les bois français pour une valorisation noble en tant que matériaux, que ce soit pour du bâti ou du jardin. Et derrière, forcément, quand on fait un sciage, on a 50% de produits connexes. Et ces produits connexes, on les utilise donc pour en faire du granulé de bois, pour en faire de la chaleur, puisqu'on a un système, un process de cogénération. Donc on fait de l'électricité et de la chaleur, et on utilise cette chaleur pour sécher de la matière, pour en faire du granulé de bois. Voilà, vous utilisez votre propre énergie bois pour sécher vos produits. On est aujourd'hui quasiment autonome, hein, on peut le dire, voilà, sur l'ensemble de nos approvisionnements. Donc l'idée, c'est d'utiliser de plus en plus de bois français pour la construction, pour le jardin, et forcément, en sciant plus, on fait plus de connexes, et donc on fait derrière plus de granulés. Mais chez nous, on n'a pas senti, voilà, on n'a pas piqué de la matière à quelqu'un pour faire nos produits. Ces produits existaient, simplement, parfois, ils étaient utilisés dans
Ils étaient utilisés un peu ailleurs. C'est ce que je voulais vous demander. Où est-ce que, parce qu'avant, vous ne les jetiez pas, ces produits. Il y a eu des époques, et je pense que ça, bien avant que je naisse, où les sures et les plaquettes étaient brûlées dans un champ. Il y a eu des périodes où les papeteries, un peu comme aujourd'hui, ont eu des activités plus basses voilà, que ce qu'il peut y avoir. Et donc, les besoins, il n'y avait pas de besoin, et nous, on n'avait pas d'exutoire. Donc là, aujourd'hui, le bois énergie, depuis 5-6 ans, est un nouvel exutoire pour tous les sieurs, pour tous ceux qui ont des connexes. C'est vrai que c'est en train de s'organiser, c'est vrai que par moment il y a des ruptures, mais je pense que globalement, dans les 5-10 ans à venir, tout ça va se réguler. On est en train d'optimiser la forêt française, on est en train de mieux valoriser. Il y a des choses à voir au niveau de la ressource, c'est vrai, dans les taillis et dans les feuillus, que ce soit pour la plaquette en bois énergie et peut-être demain également en granulé de bois. Donc vous, si j'ai bien compris, il y a une complémentarité, il n'y a pas du tout de concurrence, on est dans la complémentarité. Enfin, par rapport à ce que vous faites, par rapport à nous aujourd'hui, ce qu'on a créé, complémentarité des usages. Totalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur une parcelle, comme vous disiez tout à l'heure, au niveau des prix de la matière, on utilise voilà, certains billons ou certaines grumes pour les valoriser au mieux. L'objectif, c'est toujours de valoriser au plus haut. Et puis derrière, forcément, il y a des bois qui sont tordus, il y a des bois qui sont pourris. Il y a les écorces, hein, faut pas les oublier. Les écorces, on peut les utiliser voilà, pour les chaudières. Et d'ailleurs, on les utilise principalement pour ça aujourd'hui. Et donc derrière, après, voilà, on utilise le reste. Les recoupes de toutes nos chutes, on les utilise également voilà, pour la chaudière. Et les sures et les plaquettes sont transformées en granulés de bois. Donc là, une optimisation énergétique absolue. Donc un cercle vertueux. Alors, je vous voyais hocher un petit peu la tête, et ce sera une conclusion par rapport à ce que disait M. Gautreau. Oui, non, c'est OK. Bon, simplement, je vais vous citer, simplement, il m'est revenu en mémoire, vous parliez de tension tout à l'heure, il m'est revenu en mémoire une tension très importante qui a été tout à fait inattendue. C'est la dureté de l'hiver précédent. L'année dernière. Et conclusion, eh bien, il y a eu une tension simplement parce que tout le monde, y compris le particulier, a continué à se chauffer au bois jusqu'au mois de juin. Il y en a certains d'ailleurs qui ont eu du mal à trouver du bois pour finir la saison. Donc il n'y a pas de guerre du bois, mais il y a des moments et des endroits de difficultés. Il faut le reconnaître et je pense que ça durera encore. D'autant plus que vous avez un grand décalage entre le monde du bois d'œuvre et le monde de l'énergie pure, qui sont des milieux industriels qui résonnent à 1 an, qui résonnent à 3 ans, qui résonnent à 5 ans, et puis le monde du bois ressource, de la forêt, qui, elle, résonne à 50 ou 80 ans. Donc on a un décalage, de toute façon, sur l'ajustement du marché. Et c'est justement, si je peux me permettre, juste allez-y, pour rebondir là-dessus, c'est aujourd'hui important de bien repasser le message. Aujourd'hui, il faut bien penser à 50, 80 ou 100 ans, essayer d'investir dans la filière de plus en plus pour replanter, parce qu'aujourd'hui, on risque d'avoir aujourd'hui des problèmes de ressources si on ne met pas les moyens suffisants pour replanter, développer la filière bois, et donc ça passe par la gestion forestière, et c'est là-dessus aujourd'hui qu'il faut alimenter, parce que là, quand vous parliez de tensions, il y a eu des tensions aussi bien pour la construction que pour le bois énergie, que pour le papier et le panneau. C'est pas chez l'un ou chez l'autre, c'est l'ensemble de la filière bois. Et ça, c'est important de le redire. Il faut investir, il faut qu'on trouve des moyens voilà, pour demain investir dans la filière bois pour qu'on puisse avoir du bois pour le matériau, pour le papier, pour le panneau et aussi pour l'énergie. Monsieur Poussou, vous avez le mot de la fin. Je voulais donc parler effectivement des pâtes à papier. On n'a pas parlé trop de la pâte à papier et des panneaux de process. Et effectivement, si on la demande à la pâte à papier, qui fait la valeur, le prix du bois, je dirais en général, qui en fonction de ce prix du bois donne la valeur étalon pour les autres produits, dont le produit de construction et aussi bien après les produits connexes, je dirais, qu'on a parlé, bois énergie ou pellette et autres. Donc effectivement, on est tributaire aussi du coût de la pâte à papier qui a un besoin et qui derrière en fonction du prix nous régule notre prix et après chacun trouve son niveau pour arriver à valoriser ça en fonction de ce prix de base quoi. Messieurs, merci beaucoup d'avoir participé merci à ce petit débat. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.